remercierai de bien vouloir couper vos téléphones portables et mettre sur silencieux ainsi que de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Thank you to turn off your mobile phones and raise your hand so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Madame, ici. Hello, Lali Hoffman from Denmark. Fantastic film, really, congratulations. From where do you get your guts? You're born in China, you've been all over, and now you're in the heartland. And you get so close that you, I mean, it's all from inside. How do you do it? Thank you, first of all. I think looking like this helps, because some of them think I'm Native American. And I think it's quite strange to the community, a Chinese woman will show up at their door and knock and say, Can I take a look at your children, what they look like? I might put them in a movie. It's quite rare, so they thought I was funny. And I spent a lot of time there. And I remember on my first trip, an elder gentleman said to me that if you come and you stay, and if you leave and you come back, we'll take you seriously. Because there's a lot of media that comes in and takes some photos and they leave. That's what I did. And after 4 years, they trust me. La première question portait sur le film qui donc, madame disait que c'est un film, c'est un film fantastique et c'est vrai que c'est étonnant d'avoir réussi à faire ce film puisque la réalisatrice donc est elle-même née en Chine et maintenant donc elle se retrouve dans ces terres sauvages, dans ces réserves indiennes et vraiment quelle a été son approche pour pouvoir faire ce genre de choses, faire un tel témoignage de l'intérieur même des réserves indiennes. Et elle dit que tout d'abord, la réalisatrice dit tout d'abord que son aspect physique a pas mal aidé, puisque parfois on la prenait elle-même pour une indienne. Et puis elle a passé beaucoup de temps, tout simplement, elle a beaucoup discuté, beaucoup parlé avec ces gens, et un jour, elle a eu un conseil qui s'est révélé être un excellent conseil de la part d'une personne un peu âgé qui était là-bas, qui lui a dit, vous savez, ce qu'il faut faire, c'est venir, discuter avec les gens, passer un peu de temps avec eux, et puis repartir, et puis revenir. Parce qu'il y a énormément de gens, énormément d'équipes de télévision, de reportages, des gens qui viennent poser des questions, faire des reportages, discuter avec les gens, et puis qui partent un jour et qui ne reviennent jamais. Et donc, c'est comme ça qu'elle a fait, c'est comme ça qu'elle a gagné la confiance de ses interlocuteurs sur place, et qu'elle a pu faire le film que vous avez pu découvrir. Une autre question, alors, monsieur ici. Alors justement, moi j'aimerais savoir si vous n'avez pas été tenté pour faire un documentaire. Est-ce que le documentaire était quelque chose qui vous a nourri pour faire ce film, ou alors vous avez eu tout de suite l'envie de faire un film de fiction? Actually, this gentleman wishes to know whether you wanted or not to make actually a documentary. Maybe documentaries have been a source of inspiration for you in some way. If yes, maybe you can extrapolate on that. And when exactly did you decide to actually make a fiction instead of a documentary? Yeah, if you saw something. No, it's always been a fiction since the very beginning, because I wanted to. I can just keep going, because I wanted to. There's a lot of documentaries made on this particular reservation. I didn't want to do that. I wanted to put everything I have learned to in a narrative context where I feel like people, let's say my parents in China, who might not care about Native American issues, but they could understand what it's like for a young man has to leave his family. You know, so I wanted to do a fiction since the very beginning, and I had written a script that's more traditional narrative, but I could not raise money for that script after 3 years, using non-actors, Native American kids. Nobody wanted to give me money, so I had to throw that script away and force me to sort of embrace more of a documentarian style because it's cheaper that way. Turned out to be a blessing in disguise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le départ, le film devait être une œuvre de fiction, vraiment. Bon, déjà, pour une raison très simple, c'est qu'il y a déjà beaucoup de documentaires qui existent sur cette réserve en particulier, et donc je ne vais pas en ajouter un de plus. Et c'est vrai que, dès le départ, j'avais beaucoup d'idées, mais je les avais toutes traitées.
été vraiment sur un plan vraiment narratif, une réelle fiction. Et puis je voulais également raconter une histoire à laquelle mes parents, par exemple en Chine, pourraient se raccrocher eux-mêmes, une histoire qu'ils peuvent comprendre. Cette histoire des thèmes qui sont quelque part universels, le thème de ce jeune homme qui a envie de quitter sa famille, et donc c'est le genre de choses que même mes parents en Chine pourraient comprendre. J'avais vraiment beaucoup d'idées, et c'était une histoire complètement narrative. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc écrit ce premier scénario, et qu'à l'époque, j'ai essayé de trouver de l'argent pendant 3 ans, et j'en ai pas trouvé. Parce que voilà, c'était très difficile de monter ce projet, et ça m'a forcé à réécrire le scénario, et cette fois-ci, le réécrire dans un style vraiment documentaire, principalement pour pouvoir faire en sorte que ça coûte moins cher et trouver de l'argent plus facilement. Mais quelque part, le fait que j'ai été, entre guillemets, un peu obligé de le faire dans un style très documentaire, eh bien, c'était pas plus mal, je m'en suis rendu compte. Parce que ça m'a permis de traiter le film d'une manière à laquelle je n'avais pas pensé auparavant, mais c'était très intéressant. Oui, ici. I was at the Cannes Film Festival and I remember that something was said about you collaborating with an African American actor, perhaps Morgan Freeman or someone like that, who developing your project. All right, it was Forest Whitaker. Did you mind explaining to us how that came about and what that brought you, please? I went to the Sundance Labs with Ren Kugler, who did Fruitvale Station. After I was trying for a long time to raise money for the project with no success, they made an introduction to Forest Company, Significant Productions. But it was too late at that time for them to come on board financially. I had to wait for another year. But I was losing some of these young people that I work with on the reservation that I can't afford to wait for another year. So I went ahead and shot the film very cheaply. And then once I finished shooting the film, I put together scenes and I sent it to Forrest. They look at the scenes and they say, okay. So they came on board for post-production. Hmm. And, you know, creatively he's helped me with editing and trying to get a film into the world. La question portait sur le fait que Madame était à Cannes, au Festival de Cannes, et à l'époque, au Festival de Cannes, il y avait une question qui avait été posée à Chloé par rapport à un comédien qui pourrait la produire, Forest Whitaker. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chloé était à Sundance, au Festival de Sundance, et là-bas, elle a rencontré le réalisateur du film Fruitvale Station, dont vous vous rappelez sûrement si vous êtes déjà venu à Deauville. Et justement, là-bas, il y avait une rencontre, un atelier qui a eu lieu avec Forest Whitaker autour de sa maison de production Significant Production. Mais le problème, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de demandes et Forest Whitaker n'aurait pas pu la produire immédiatement. Il y avait un délai d'attente qui était à peu près d'un an. Et un an, c'était long. Elle, il fallait vraiment qu'elle tourne le film parce qu'il y avait notamment une histoire de comédien, un comédien qui était très jeune, et qu'elle voulait vraiment avoir dans le film dans cette jeunesse, et elle savait que si elle attendait un an, ce serait trop tard pour trouver quelqu'un d'autre, etc. Donc elle a décidé, avec peu de moyens, de tourner son film immédiatement. Mais ce qu'elle a fait une fois qu'elle a tourné toutes les scènes de son film, elle a fait un premier pré-montage qu'elle a envoyé à Forest Whitaker, et là, à ce moment-là, il a vu ce montage, ça l'a beaucoup intéressé, et avec sa maison de production, il est rentré donc dans les aides, il a aidé Chloé à terminer le film, il est rentré dans la phase de post-production, pour pouvoir l'aider à terminer son film. Une autre question dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, t'es pas là. Je suis arrivé en cours de conférence, parce que je me sens juste de la projection en fait. Je ne sais pas si Zoé a expliqué pourquoi elle a fait ce film-là. Je pensais qu'elle était d'origine indienne, et en fait elle est chinoise, c'est ça, hein? Mm-hmm. Voilà. Donc si elle l'a expliqué, je reprendrai la conférence. Et la deuxième question, c'est est-ce que les acteurs sont issus de la réserve? This gentleman has two questions. The first question would be, why did you choose to tell this story? I mean, what he means is you're not Native American, you're Chinese, so maybe you can talk to us about this specific subject. What drove you into making it as a movie? Second question would be about the actors. Do they all come from this specific
place, or maybe you can talk to us about the places where you met them. Well, I think some people, I think some filmmakers prefer to make films about what they know. But I don't know what I know, because I left China when I was very young. I only know that I don't know where I belong in the world. What was interesting for me when I went to Pine Ridge, when I met that community, is they know exactly where they belong. The sense of root, you know, deep roots that they have with their land, their community, something that I, growing up in communist China, have never experienced before. Nor is, as a New Yorker, you know, since such a transit city, I have never experienced such tightness, connection towards their land and their community. And so, you know, this particular story, you know, what is the boy going to stay or leave? You know, how complex that hold his land has on him. That's something that I wanted to explore. So, why Native American? Why not? I think there should be more films made about Native Americans. And how there's three people that you see on screen are not from the reservation and still living there. The rest of them are all still born and raised and still living there. And the girlfriend, the mother, and the white woman are not from the reservation. And I'll just, you know, I did a lot of street casting. Johnny, I collected all the high school yearbooks. I went around to all the high schools and I saw a picture of him and I said, yes, that kid, you know, I hope he can act. I met Jay Sean at Oglala Nation. It's a powwow every year. What you see at the end of the movie when she's dancing, that's actually where I met him. Alors tout d'abord, par rapport à la première question, pourquoi donc avoir fait ce film-ci en particulier, Chloé nous dit qu'il y a des réalisateurs qui travaillent en fonction de ce qu'ils savent, qui font ce qu'ils connaissent, en tout cas surtout pour leur premier film. Mais elle-même, dit-elle, elle ne sait pas ce qu'elle sait, parce qu'elle est partie de Chine quand elle était très petite, et donc du coup elle n'a pas vraiment d'attache, donc elle ne sait pas vraiment exactement de quoi parler. Et quelque part, elle a été vraiment frappée lorsqu'elle a discuté avec ces gens, ces Indiens d'Amérique, dans la réserve, et qu'elle a vu à quel point ces personnes-là savent d'où ils viennent. Ils ont complètement conscience d'où ils viennent, et ils sont très attachés à l'endroit, à la culture. D'accord, bon, ne vous inquiétez pas, hein, on va survivre, je pense. On m'a dit qu'il n'y avait pas de... C'était comme ça au moment du tournage, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'y a pas de tornade en Normandie. Yes. Elle nous a amené la tempête, on peut la remercier, je crois. It's okay, actually we kind of coming very often. Au moment du début du tournage, en fait, il faisait extrêmement chaud. Vraiment, c'était genre 40 degrés tout le temps. Et les quelques semaines de la fin du tournage, tout à coup, il a neigé presque non-stop. Et elle est restée dans sa caravane sans discontinuer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne vous cache pas que je ne m'entends pas très bien moi-même. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, par exemple, elle a vécu assez longtemps dans la ville de New York. Et que la ville de New York, la ville de Manhattan aux États-Unis, c'est une ville. Il est une ville en fait où il y a énormément de gens qui passent, il y a énormément de gens qui viennent, qui restent un an, 2 ans, 3 ans et qui repartent. Donc il n'y a pas du tout ce thème des racines, le fait d'appartenir à un endroit, etc., etc. Vraiment tous les gens qui sont à New York sont des gens qui sont des déracinés. Donc encore une fois, c'était le thème qui revenait toujours. Et pour elle, c'était vraiment intéressant de traiter notamment cette histoire de ce garçon, la complexité du lien qui existe entre ce garçon et cette espèce d'attirance énorme que l'endroit d'où il vient a, même si cet endroit a beaucoup de problèmes, il y est vraiment attaché, et il a du mal à s'en détacher, il a du mal à s'en éloigner, et c'était des thèmes qui l'intéressaient beaucoup et qu'elle a décidé de raconter au travers de ce film. Et par rapport à la deuxième question, la question donc des comédiens, savoir s'ils viennent de cet endroit ou pas, en fait dans le film il y a 3 comédiens qui ne sont pas de cette réserve en particulier, ce qui veut dire que tous les autres comédiens du film, eux, viennent vraiment, encore
encore une fois de cet endroit. Ils sont toujours là-bas, ils vivent toujours là-bas en ce moment même. Et puis elle a fait beaucoup de casting sauvage. Elle a regardé notamment là c'est le problème, si je ne connais pas le terme français, les petits livres qui sont... Aux États-Unis, quand on est inscrit dans une école, il y a un livre qui est imprimé par l'école avec la photo de chaque étudiant. Donc voilà, elle a regardé tous ces livres comme ça, elle a regardé toutes les photos et c'est comme ça qu'elle a trouvé également quelques comédiens pour jouer dans son film. Voilà, désolé pour ces conditions un petit peu particulières. Monsieur, ici. Alors moi j'aimerais savoir, comme c'est votre premier film, quelles sont vos préoccupations justement d'auteur, de réalisatrice, et quels sont les sujets que vous avez envie de traiter par la suite? On peut peut-être s'en rendre compte déjà avec ce premier film. As this is your first feature film, this gentleman wishes to know what are your prospects, what are your ideas, what do you plan to do next? I am going to continue to make films in the heartland of America. Next project takes place both in Nebraska and in South Dakota, and it has something to do with the Keystone Pipeline. Keystone Pipeline is an oil pipeline that goes from Canada to Texas. It's a big environmental debate, but the film focuses on a small town that's disappearing. So we're going to be working with the professional and non-professional actors. En fait, elle va continuer à tourner dans les mêmes endroits, dans les mêmes zones rurales américaines. Et notamment, tout de suite, elle est intéressée dans un projet qui traite d'un conduit en fait, de transport de pétrole qui emmène le pétrole du Canada au Texas en passant surtout par le Dakota du Sud et le Nebraska. Et c'est, donc ça, c'est réel, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. D'autant qu'il y a énormément de choses qui se passent autour de ce fameux pipeline, ce fameux tuyau pour transporter le pétrole. Il y a peut-être un meilleur nom de tuyau, mais je ne vous cache pas que là, tout de suite, maintenant, je n'en souviens pas. Et donc voilà, c'est le pipeline. Et c'est le thème qui l'intéresse et sur lequel elle est en train de travailler actuellement pour son prochain film de long métrage. Une autre question, madame. There are 7,000 ideas you could have. But you stay with this thing of home, of going towards something that is disappearing. But in your own life, you've been a migrant. I mean, you've been all over. You started politics, I think, or Sciences Po in Britain, and now you live in New York. Are you still Chinese? I'm moving to Denver. Okay, Denver. It's raining there too, you know. Are you still Chinese? Are you looking for the home? Because otherwise, New York, Denver, wherever, is wonderful when people are coming from all over the world. I don't feel at home in New York anymore. I used to, but once I spent the past 5 years, majority of the time in South Dakota, I realized I don't really belong in New York anymore either. I think some people are just born with more gypsy in their blood. I think I'm not close to my family either, so I'm never going to feel at home completely ever. I have come to understand that as 33-year-old. But I think cinema allows me to go to communities like Pine Ridge and also in the small town in Nebraska where I'm going next, to be able to capture something that is disappearing in our modern civilization, where people fight so hard to hold on to a sense of identity and home. I get to feel something through them, and that's pretty good so far. So we'll see what happens. Oui, madame posait la question de ce thème qui est effectivement un thème qui est très fort dans le film de Chloé. Ce thème de ces personnages qui essaient de revenir chez eux, de retourner dans leur foyer et de découvrir finalement que ce foyer, que ce chez eux finalement n'existe pas, n'existe plus,
Et c'est un thème qui finalement, est, effectivement, comme vous l'avez dit, peut sembler très proche de la propre vie de Chloé, qui elle-même est née en Chine, a étudié Sciences Po, a vécu à New York, ne va pas tarder à partir à Denver, nous dit-elle. Et c'est vrai que c'est un thème qui lui est proche. Et Chloé nous répond que même à New York, aujourd'hui, même à New York, elle ne se sent plus chez elle. Elle s'est sentie chez elle à New York pendant de très nombreuses années, mais maintenant c'est terminé. Tout simplement déjà du fait qu'elle a vécu 5 ans en faisant ce film dans le Dakota du Sud, et que maintenant c'est vrai qu'il y a un déracinement qui s'est créé et qu'elle ne se sent plus chez elle à New York. Mais quelque part, elle nous dit également que même vis-à-vis de sa famille, elle ne se sent pas vraiment chez elle en Chine. Elle est partie quand elle était bien trop jeune. Et du coup, elle a l'impression, et c'est même plus qu'une impression, qu'elle ne se sent plus chez elle nulle part. C'est-à-dire qu'elle appartient à tous les endroits à la fois. C'est vraiment une âme de vagabond quelque part. C'est-à-dire qu'elle n'a plus vraiment de lieu à elle. Mais elle est contente parce que le cinéma lui permet d'aller, par exemple, c'est ce qu'elle va faire pour son prochain film, d'aller au Nebraska, par exemple, qui est une zone très rurale aux États-Unis, et de capturer l'essence de toutes ces choses qui sont en train de disparaître. Elle est capable, ce faisant, de pouvoir capturer, donc sur une pellicule de film, l'essence de la disparition, de l'identité de la disparition du foyer, encore une fois, toujours ces thèmes qui reviennent, et c'est ce qui lui permet à chaque fois, en tout cas à chaque tournage, de se sentir un peu chez elle. Mais encore une fois, c'est vraiment un sentiment qu'elle ne connaît plus, ce fait d'être vraiment chez elle. Au contraire, maintenant elle est à même de découvrir et d'explorer toutes les parties du monde. Y a-t-il une autre question dans la salle, monsieur, ici? Pour aller demander dans quel cinéma elle se sent chez elle, plutôt le cinéma asiatique ou le cinéma américain? Which cinema do you feel the closest, the most related to the European cinema, the Asian cinema, the American cinema? Which cinema talks to you the best? I think it's pretty clear, no? it's obviously European. Even though Wong Kar-wai was the first films I've seen back in Beijing, I think he also has a very strong European sensibility as well. So I would say definitely European. But I love America and I love making films there. Not New York and LA, but I love the part of America the Americans don't care about. So I like to use my knowledge of what I love about European cinema, which is good cinema, and to tell stories about part of America that the world hasn't seen before. Oui, elle nous dit que, en tout cas pour elle, c'est relativement clair quel est le cinéma qu'elle préfère, puisque c'est vrai qu'elle aime le cinéma qui est quand même assez européen. Même si elle apprécie par exemple un réalisateur comme Wong Kar-wai, les premiers films qu'elle a vus d'ailleurs à Pékin, c'était des films de Wong Kar-wai. Mais quelque part, ce qu'elle aime chez Wong Kar-wai, c'est précisément sa sensibilité européenne. Justement, il a une approche très européenne dans son cinéma. Et quelque part, c'est ça qui l'a vraiment plu. Donc vraiment, le cinéma européen, la sensibilité du cinéma européen, c'est quelque chose qui lui parle, c'est quelque chose qu'elle apprécie. Mais elle aime beaucoup les États-Unis, elle aime beaucoup filmer aux États-Unis, pas forcément à Los Angeles ou à New York, mais pas du tout, mais vraiment dans toutes ces zones dont on parle finalement peu. Et elle aime filmer aux États-Unis des histoires américaines, mais avec un œil et une sensibilité européenne. Voilà, cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Thank you very much. Merci.